Fuck YouTube. Hop là, je relance en jetant pour YouTube, j'ai totalement misclick. Ça sera en deux parties, nique sa mère. C'est où que Marco il a mis son truc là? Quel truc? Hein? Quel truc? Ça demande de ah non mais c'est bon, je l'ai déballé. Oh non, mais vas-y, je voulais le faire. Pour une fois, je tire jamais à rien, je suis le pire modérateur du monde, c'est ouf. Ah bah du... Hey, c'était toi qui étais là pendant le tsunami, hein, t'es pas le pire modérateur. Hein. Ah, c'est vrai, c'est sûrement moi qui ai banni Marco, vous avez. Oui, c'est dans l'historique, ouais. C'est toi qui l'as banni, je confirme. En plus, vu la gueule des messages, t'as bien fait. Hein. Oui. Mais sinon, ça se voit dans la vue modérateur, t'as des trucs à gauche, et t'as, quand il y a de nouveaux trucs, ça te met un petit truc rouge avec marqué le nombre de demandes. Et du coup, tu peux... Putain, j'arrive pas. Dedans, il y a les demandes de débat. Ah oui, je les vois là. Super. Prédire. Ah là, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Hop, j'envoie des petits snaps. Peinard, les mecs. Ah, le mec malédictique là. Mathias ? Oui. La game a commencé hein. Jamais. Attends, je m'occupe de ton stream, je suis heureux un peu. Mais tu fais quoi sur mon stream, mec, à personne ? Qu'est-ce que tu fais, Mathias? Tu m'inquiètes maintenant là. Oh, mais j'ai fait une prédiction. Oh, qu'est-ce que tu viens de. Ah, quoi, tu fais une prédiction? Y'a personne. Qu'est-ce que t'as fait comme prédiction? Il faut prédire l'avenir, peut-être. Est-ce qu'on réussit le secret? Oh, t'as mis une demi-heure pour les votes! Bah, s'il y a quelqu'un qui arrive plus tard, faut qu'il ait la possibilité de s'exprimer. Eh ouais, voilà. Je vais pas vous mentir, face les... au boss. Les streams bon, zombies, alors, en général, y'a personne. Hein. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a moi. Connard, ouais. Ouais. Ça va, Louis? Chien, ouais. Oh putain, et puis j'ai pas de bonbons. Oh, je vais appuyer sur F10, tiens. C'est un connard, mais du coup, je suis dans la paix. Ça va faire l'entour, du coup. Shopping gratuit. Shopping gratuit. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis 5000 points par terre, bon, il m'a tout pris. mais moi, j'ai jamais oublié ça. Comment il met des points par terre, je crois. C'est le bon. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, pas moi. Désolé. Je l'ai fait une fois, je l'en ferai. Bravo Mathias, hein. J'espère que tu vas bugger. Attends, mais t'as relancé? Comment ça, t'es connard? Non. Et tu viens Louis... de me voler les points, gros. Au moment où tu dis ça, j'ai bugué. Non, mais c'est pas possible. Je te promets. Moi, je t'avais relancé. Attends, je relance le jeu. Bah, au moment où tu dis, j'espère que tu vas bugger, ça me quitte le jeu, mais vraiment. Mathias, la prédiction, c'est pour tout le stream ou c'est juste pour la game? Non, mais je crois que c'est pas possible. Non, c'est pour cette merde, non. On va dire que c'est pourquoi? On va dire que c'est pour la prochaine. Ok. C'est pas possible du tout. C'est compliqué pour le secret, je le sens. Oh, wow. Ok, on arrive à faire le secret là, je paye ma tournée. Dit-il en bugant. Justement. Et si on n'arrive pas, ça veut dire que c'est vous. Hein. Ça veut dire que c'est nous, bien sûr. Oh. Non, mais je suis vraiment désolé. Non, mais il faut vraiment que je change de PC. Hein. Déjà de carte mère. Il y a quelqu'un qui a voté. Mathias, c'est toi qui as voté? Oui. Tu sais que du coup, si t'as voté, tu pourras pas le valider, le truc. Oh, mais tu m'énerves, arrête. Je te préviens, c'est tout. Mais je sais, j'ai lu les conditions générales d'utilisation de Twitch. Hein. C'est quoi cette merde? Merci Mathias, pour tu mettras... Mathias, tu mettras oui. Même si c'est non. Hein. J'ai déjà mis oui. Je mettrai oui quand cool, même pour le premier coup. J'ai mis 300 points. Ça fait plaisir. Merci pour le follow. Même si on n'a pas réussi le secret, c'est moi. Je sais, hein, je vois. J'ai mis à mes crocs, il y a tout l'autre qui m'a fait. C'est pour ça que je te dis merci.
suis en train de péter un câble là. L'hôtel est sur le canapé en chill. Arrête, je vais me faire copy strike. De quoi Ouais, bah Louis improvise. Ouais, bah les copyrights sur les improvisations, c'est pas encore d'actu, hein. Ah, ça peut arriver, hein. Ah, il y a un petit toucan sur mon truc. Il y a un toucan sur mon truc. Quel truc? Bah ce truc là là. Sur le truc qui fait du bruit. Le truc qui fait Wartek, du bruit. Wartek, merci pour le sub. Pour 3 mois. Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Emotional damage. Ouais, tous les bruits que vous payez pour mon stream, vous les entendrez sur le vocal du coup. Super. Sachez-le. Ah ouais, tutelle. Okay. Yeah. Oh non. Retenez-moi. Quoi? T'es encore bugué? Non, non. J'allais encore freestyler. Putain. Louis, Louis, quand toi tu prends un bonbon et que tu veux pas ton bonbon. Putain. Oh putain. Macron. Putain. Alors que quand moi, première tentative, j'ai le bonbon que je veux pas. Putain. Il va y avoir du ménage. Non mais Mathias a fait le reste. Tu es un connard. Il nous pique notre travail. Oh, oh non, on reprend pas les phrases du LN. Vous devez m'aider. Nous pouvons empêcher la destruction de votre monde. En fait, ça aurait été marrant qu'on s'appelle tous des partis de gauche. En fait, oh, c'est bon. Ah, pour populaire, mais bon, ça regroupe tous les partis. Mais là, je vous entends, je n'ai eu aucune coupure, connexion interrompue de Black Ops 3. Mais c'est quoi ça? Ah, il est super cool ce secret. Ah, comment je vais super cool ce jeu. Il est bien codé en tout cas. Ah, c'est bon. T'es encore dans la partie? Ouais. Ouais bah j'ai failli alt F4 hein. Heureusement que tu le dis hein. Je suis pas passé loin de j'étais à ça hein. C'est le goût du bonheur. Michel Bonheur. Michel Jaco Bonheur. Michel Jaco Bonheur, bonjour. Merci. Edouard Richthofen. Je pense pas qu'il. Je pense pas que ça qu'il fasse un bon Richthofen. Hein. Faut critiquer tes talents d'imitateur, mais. Ah, ce rituel il prend pas 107 ans, c'est nickel. Pourquoi franchement, j'adore ça. Wouah, Munomax, ça fait trop plaisir. Récupère les fusibles et le bouclier encore une fois. Ça je suis oh, mais utile. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui, va-t'en. Ça va être là non. C'est bon hein. Je vais plus les prendre. Louis. Dit-il en faisant tout pour les prendre. Quoi? Dog of the break. On vous voit hein. Putain je vais y arriver ou quoi? Brain grave bouillave. Bouillaga. Quoi? Lady Gaga. Oh, c'est impressionnant cette map quand même hein. Aziz Gaga. Tous les détails qu'il y a. Toutes les maps, il y a beaucoup de détails. Ouais, mais celle-là en particulier. Celle-là, c'est vraiment mon petit péché mignon. Est-ce que ma jolie petite pêche? Il est où le mastodon? On est d'accord que le sirop de pêche, c'est pas bon. Hein. Non, c'est pas ça, c'est dégueu. Si, en vrai, ça va. Mais le sirop de fraise, vous aimez bien? Mais faut que je te contredis direct après.
Parce que de base, je voulais dire fraise et pas pêche. Mais c'est bon la fraise. C'est quoi votre sirop préféré? Ceux qui mangent des fraises, ils sont enceintes. C'est quoi votre sirop préféré, vous? Moi, je dirais pour la toux. Le Advil. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, le Advil et le Smecta? Bah quoi? Miam, c'est super bon. Bah, et où la boîte? Pourquoi vous vous moquez? Pourquoi vous vous moquez? Bon, ça va? Et où la boîte? Y'a un zombie qui fait plein de bruit. Et toi? Moi j'aime pas le sirop de cassis. Enfin, le cassis dans papa, mec. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de sirop, moi, donc... Moi, avec le taf, j'en prends. Même si j'ai pas le droit. Mais chut, faut pas le dire. Ça, t'as pas le droit. J'ai pas le droit de me servir du sirop, on a juste le droit de boire de l'eau. Mais pourquoi? Parce que... Parce que tu travailles dans un endroit chic. T'as pas le droit de prendre du sirop à la grenadine, là. Pas le droit de 4 heures. Ouais, malheureusement. Ou bien heureusement. Malheureusement, et bien heureusement. Alors c'est quoi ce cirque? Oh mais je viens de faire deux fois la boîte et vous sortez la... Je viens de faire deux fois la boîte au plein et vous sortez le truc maintenant, quoi. Oh, j'ai pété un câble. Toujours en train de crier. Tout le temps. Ah, je suis streamer, mec, hein. Oh non, puis du. Oh, je viens d'avoir la boîte au plein. Comment con, j'ai acheté pile quand il fallait pas. Oh. Moi, j'ai SVG Dragon. Pouvoir faire des trickshots. T'as le retour de la braderie alors que je m'en vais de la boîte, mais bordel. Vous faites faire des allers-retours depuis tout à l'heure, là, c'est incroyable. Oui, bah XM53. Hein. Bah, bonne arme. Vu qu'on est dans Banjo-Kazooie, je sais pas, j'invente. Qu'est-ce qu'il... Quoi? Je comprends rien à ce qu'il raconte. Oh là, Argus. Ouais, non, c'est bon, j'arrête. Là, j'ai pas eu de connexion, de coupure, rien. Le jeu qui se ferme, vous êtes déconnecté de serveur le backstrop, baisse ta mère. Clic droit, désinstaller. Hop, c'est bon. Regarde, je le fais vraiment, hein. Clic droit. Il va être compliqué à faire le secret, du coup. Mais désinstalle pas. Non, si, hein, je codais comme ça, là. C'est bon, hein, on souffle. Gros, t'es le seul à avoir un problème, c'est ta co, c'est pas le jeu. Mais là, j'ai pas eu de soucis de co. Attends, ok, tu sais quoi, on retente une dernière fois si tu veux, je fais un truc propriété. Il suffit qu'il y ait des micro-coupures et le jeu doit se dire que ça... Taille de l'installation. Bon, par contre, ouais, là, on peut plus faire le secret. Vérifier l'intégrité des fichiers. J'ai vérifié ça. À côté, je regarde ça. Je suis désolé, putain, mais ça me fait autant chier que vous, mais j'en ai marre, je suis à bout. J'en ai marre. J'ai l'impression que ce n'était pas quelqu'un de bien. Mais putain, on va s'en sortir ou pas? C'est dramatique. J'en ai marre. T'as trouvé quoi les autres? Les ours. C'était où? Un bruit d'ours là tout de suite. Regarde. Y'a quoi des coups dedans? Oh vas-y, c'est trop. C'est trop. Vas-y, retente une dernière fois, sinon bah ce sera... FFF. Ouais. Et c'est reparti. Il nous aura fallu 3 quarts d'heure. Du coup, Mathias, la prédiction...
Non mais c'est pour maintenant là. C'est pour maintenant, ok ok. Bah en vrai, ferme celle-là et puis lance-en une autre Mathias, hein. On a tous les deux gagné de toute façon. En fait je peux plus fermer parce que... Si tu veux je le fais, hein. Bah, bah dis oui. Bah non, c'est non du coup. Bah si, dis oui. Bah non. Tu veux que je vienne? C'est où qu'il faut venir? Que là, terminer les votes, choisir la réponse, est-ce qu'on a réussi le secret? C'est non, hein. Mais si, si, c'est oui. Hein, non, non, c'est non, désolé, mec, hein. Là, hop là. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais mec, je vais perdre mes points, hein, fais pas ça. Oh, c'est bon, t'as combien de points, mec? Oui. Il y en a plus, mais il y en a là-bas. Coucou, j'arrive après. Je suis là. La grande équipe. Moi, peut-être que toi tu pourras passer par l'extérieur, mais moi je suis passé par la grande porte. J'ai réussi à persuader les gardes de me laisser passer. C'est quoi ma carte mère? Que je la mette déjà en vente sur le bon coin. Oh, j'en ai marre. Mère, elle a rien fait ta carte mère. Bah je pense que c'est à cause de ma carte mère en fait que j'ai des coupures comme ça. Bah bon. Aussi. Oh, ça serait à cause de ta carte mère. Parce que là j'étais ouais, en réseau. Quoi? C'est même ta carte mère. De quoi? Ok. J'ai rien volé d'autre. Ouais, parce que c'est le truc qui fait carte réseau et tout, là. Attends, je te donne un avantage. MPG B550, mais c'est même pas une MSI en plus, c'est une MPG, ils m'ont menti, ça se trouve c'est une contrefaçon que j'ai acheté. Les bâtards. Ah c'est moins long pour voter là du coup Mathias. C'est quoi que je lis là? Comment t'appelles ça là quand tu vas au tribunal? Enfin bref, un cas de tribunal à propos d'une blessure. La mieux que le gars entendu. Donc, Chris Goodnow, un avocat, a aidé un client qui poursuivait une société de sextoy après avoir acheté un sextoy dit 100% silicone. Il est allé dans une IRM avec le sextoy, sauf que le sextoy avait un cœur en acier. Du coup... Attends, tu peux redire? J'écoutais pas, mais j'ai entendu sextoy et cœur en acier, je comprends pas. Ouais, un mec qui attaque en justice là, une société de sextoy parce qu'il s'est acheté un plug 100% silicone, sauf que il est allé dans une IRM et il s'avère que le sextoy avait un cœur en acier. Et du coup, le mec... Alors déjà, a survécu. Et le mec a... Bah, le plug, du coup, il a été accéléré. Bah, on a désarmé, du coup. La vitesse du son dans son... Dans sa rib cage là. Et Quoi, il est monté jusque là? Ouais. Qui est décrit comme un anal railgun. Quoi? Mais déjà, moi la première question c'est à quel moment tu vas avec un plug faire une IRM, genre frérot? Non mais. Non. Oh, c'est chaud. Ça doit pas faire du bien. Chacun ses fantasmes, mais putain. Hein. Le pauvre. Moi, ça me déplairait pas. Ah, mais en plus, avant l'IRM, il demande si t'as rien en métal sur toi. T'imagines, tu dis non, il se rend compte que non, il avait un plug. Bah, c'est... Comme dans un épisode de Dr. House, la nana, elle dit qu'elle a rien. Oui, bah au final, elle a une plaque de métal dans son corps. Ouais, bon, écoute. Elle explose, trop drôle. Merde. Tu sais que ça, je kifferais faire ça, hein, une radio. Oh putain, j'ai eu peur, c'est faire une IRM avec une plaque de métal. Voilà.
Et ça, ouais, mais en fait, ça fait quoi quand tu fais avec une plaque et tout? Bah, l'IRM, c'est un électro-aimant en fait. Ça agit comme un électro-aimant, donc t'as un truc en métal sur toi, il va bouger dans ton corps. C'est genre puissant, hein. c'est pas juste qu'il va bouger, en général il va même s'échapper. Ouais voilà, si t'as des petits trucs. Ton corps n'est pas un obstacle. Tu vas faire une IRM avec une balle dans toi, bah la balle ressort. Hein. Ah du coup ça fait comme si tu prenais un deuxième coup de balle. Trop chiant. Cool. Non mais tu te rends compte du truc de fou, si genre tu marques sur un clou et que tu t'en rends pas compte. Et après tu vas faire un IRM et hop. Si tu marches sur un coup tu t'en rends pas compte, je pense que tu t'en rends compte. Hein. C'est bon. Le mec bipolaire. Donc l'IRM tu les fais pas fringuer, enfin tu prends les fringues de l'hôpital quoi. Le mec bipolaire, le mec bilunaire. Voilà, petite blague. Oh, je comprends rien à ce qu'il dit à chaque fois. Moi non plus, je comprends ce que je dis des fois. J'ai travaillé 7 jours, je suis en week-end encore demain, après je refais 3 jours et après je suis encore en week-end. J'ai réussi à m'arranger comme ça, des questions. Allô. C'est bien ou pas? Allô. Bon retour à nous, Mathias. Mathias, salut, présente-toi. Bah salut, moi c'est... Avec une voix de pingouin maintenant. Et puis moi t'es Mathias. Je suis pas loin. Sous l'eau. Malade. En imitant Louis. Bonjour, moi c'est Mathias. Ah non, c'est Louis du coup. Super. Maintenant, ton papa il a c'est un dothraki et ta maman c'est une tortue. Tu peux me dire ta gueule, hein. C'est une voix rauque. Ta gueule. Putain, il y a un casting d'acteur d'un coup. Ce sont d'autres à qui ça parle normalement, en fait. Ah, voilà. Un avis dans le cimetière de Montmartre. Un avis Google. Le lieu est assez décevant. Tout semble mort et rien ne bouge. Très bien. Merci. Putain, j'adore ton commentaire, genre vraiment très bien, hein, ça touche. Il a fait mouche, ce commentaire. C'est quoi ton goût, là? J'arrive, c'est le jeu, c'était bon. Non, mais je faisais la vérification du truc. Les anecdotes sont encore là, mais... Même... Et au moins, la VOD YouTube, elle va durer 10 ans. Bon, c'est bon, on peut jouer correctement. Je sais pas si vous aviez vu le truc là sur Trump, il a... Alors, il a ouvert sa marque de vêtements. Non, avec écrit « Rapist, not raper Make American Great Again. Non, genre il a violé une fillette de 12 ans. Quand ça? Il l'a menacé pour Pocky Machine. Oh bah ça devait être à l'époque où... Ah, où il y avait le G. À l'arc, yeah. à l'arc de la petite île, là. L'arc de la petite île, oh putain. Oh, ça l'île au plaisir. Oh la vache. Epstein. Tu m'as toujours pas répondu à mon mail, là. Il est pas mort, hein. Il est avec Tupac en Nouvelle-Zélande. Tupac se retournerait debout s'il entendait ça. Tupac, quand il mange des pâtes. Oh, il y a une nouvelle prédiction, là, les gars. Elles sont très bonnes, ces pâtes. Une nouvelle prédiction sur mon stream. Incroyable, la prédiction. Vous portez la marque. Ah, ça c'est une prédiction pour ma personne visée. Skibidi. Skibidi, pop. Bon, j'ai plus de points. Hein. J'ai pas de blague. C'est assez le compte de plus avoir de points pour un boxeur. Ouah, wow, pas mal. Franchement. J'ai bien. Tu dis pas mal, mais absolument personne n'a ri, hein. C'était le plus gros beat de ma vie, et lui qui me dit pas mal. Bah. La mal ton bide. Je
free shopping, such a great bonbon. Yeah, I agree with that, Louis. Oh yeah. I love the taste of cum. Yeah. Same right here, right here. C'est le bon bonbon. Ça me fait trop plaisir que t'aies le bonbon que tu voulais. C'est le bonbon. J'ai pas eu le bon bonbon. J'ai pas eu le bon bonbon. Ça me fait chier, j'ai pas eu le bon bonbon. Ah, ça c'est musical maintenant. Ça c'est incroyable. Allez. Oui. Oui. On va le faire les mecs. Oh le barguero. Oh le barguero. Boom. Oh, mais j'ai un collègue devant moi, c'est lequel ça? Mais oui, c'est Front Populaire, bien évidemment. Bonjour, Front Populaire, votre service. Front Populaire de service. Je pense pas le rituel parce que j'ai pas d'armes et c'est chiant de le faire sans armes. J'ai eu la contrebandier. Trop content, je suis trop guette. Je suis pas à la bouche, je suis loin de la boîte. Ouais, pas le temps d'avoir la boîte. Non. C'est quoi que j'ai comme arme? Non, je l'ai pas eu. Si tu l'avais pris, j'aurais pu faire une boîte. Mais comme t'es un infâme connard. Désolé. Oh, le retour. À quoi ça sert ce truc? Donnez-moi des armes. Alors est-ce que je peux le faire à temps? J'en doute. Ah, j'ai un sniper du futur. J'ai pas eu à temps. Non. Oh la mocus. Louis, pas d'armes, nickel. Moi, blindé. Oh, le bâtard, quoi. Le mec, il se marre. On en reparlera quand faudra faire des bébés qui crient, là. Comment ça, on en reparlera quand faudra faire des bébés, hein. Putain, mais t'as même pas tué les bébêtes. Tu as rien fait. Bah, justement. Oui, bon, ça va, le prof de français, là. Comment ça, de français? C'est quoi, ce débile, là? Un triangle. Vous entendez ça? Un triangle. Comment ça, un triangle? Un triangle. Un triangle? Un trigant, quoi. Un triangle. Ensuite. Un triangle, double triangle. Mais t'as eu la Pourquoi croix ça avant 3 le triangle ans, les rituels. Putain, laissez-moi tranquille. Ensuite, faut que j'aille à Canal. Ah oh, la vache. Enfin, fini ce rituel. Non. On indique que c'était pas une grosse perte. Tu veux jouer à ça? Moi aussi, je peux faire ça. C'est une bébé qui rigole. Là où je t'emmènerai. C'est dans quoi ça, c'est le fuir? Ah, c'était quoi, c'est la musique que t'as chanté, Marco? Je sais plus. C'était une pub entre deux trucs après 20h, ça, non? Je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Où est-ce que je vais? Il est. Et double triangle gag. Ok, c'est bon. Double triangle gag? Ouais. Ah, oui, j'ai eu les bobines. Alors. Ensuite, comment on fait?
Et ben on va là. To go down, down, to go down. Alors... Ensuite on prend ça. Bébé qui rigole. Le petit moustachu là, enfin l'autre petit moustachu que j'ai en personnage plutôt, il se fait où? L'autre petit moustachu. C'est au spawn, je crois, non? Chez vos œufs si vous voulez. Ah, mon pote Louis, bah multitalentueux, génie civil, toujours pharmacien. Pas d'armes, toujours pas d'armes, me fait chier dessus par tous mes potes parce que je peux pas faire de boîte parce qu'à chaque fois que j'arrive, les boîtes sont pleines. Ouais, ouais, effectivement, je suis multitalentueux. Plus de ça, je suis tout secret, tout seul. Ouais, bah. Mais j'ai 3 armes, hein. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? J'aimerais bien changer ma pharo, monsieur. Non, 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 pas de ça chez moi, j'ai pas eu de boîte depuis le début. Oh merde, je sais pas si ça. Trou du cru là. C'est tiens. Ça, juste. Regarde ça, on dirait un croisement entre un fusil mitrailleur et un navire de guerre. Non, c'est pas bien. Y'a une arme dans le sous-sol. Oh, mais personne fait les rituels ou quoi? Louis, t'es mon Horcrux. Tu serais un personnage de Harry Potter, Louis, tu serais mon Horcrux. Je serais une flûte. Un Horcrux, c'est pas les trucs de Voldemort qu'il faut détruire? Chut. 'Vrai. Et qui c'est qui a inventé Harry Potter? Bardella. Ah, c'est tout comme, hein. C'est tout comme. Hop là, si vous voulez faire le bouclier, j'y ai toutes les tests. Si jamais, il y a vos œufs aussi hein, dans le sous-sol. Hein. Ouais, bah j'y vais, mais je prends le grand tour. Dites-moi si je vous fais chier. Hein. Saute, Louis, direct maintenant. Voilà, c'est bien. Les rituels vont pas se faire tout seuls, les mecs. C'est quoi ce stream de dégénéré? Mais je sais pas comment on fait les rituels. Eh ben, tu vas dans une salle et tu fais le rituel, mec. Mais c'est avec les œufs. Non, ah oui, non, tu parles des rituels, ok. Ah, t'es là, toi? Ouais, et ouais, les mecs, il en reste 2, en fait. Bah moi, j'en ai fait un. Moi, j'en ai déjà fait un aussi. Ça va, vous deux? Oui, bah moi, j'ai récupéré les œufs là, donc c'est bon. Mathias, t'as fait quoi toi? Vas-y, la pharo. Hey, non mais je rigole, Mathias, c'est insupportable. J'ai pas fait de rituel, c'est peut-être Mathias qui l'a fait en plus. Enfoiré. Bon allez, bombe atomique. Non, pas bombe atomique, c'est nul ça. Un peu de. Hey, bisous, des bisous. C'est bon, moi j'ai peut-être qu'à nommer ce. Non! Non, pas maintenant, non. Allez, salut. Ah. Il me fait peur parce qu'il en serait vraiment capable. Non, non, mais tais-toi, le force pas. Là, on a enfin une attempt, là. Oui, bah oui, en France, on a enfin une attempt. Oui, bah ta gueule, toi. Si t'as envie de parler unique. Moi français, je te propose de voter pour un parti en particulier, hein. L'ouverture sur le monde, ça te parle? Ouh, le clash. Ouh là là. Attends, t'as fait quoi avec ma procuration là, Louis, par contre? Frexit livré. Non, non. Quelqu'un peut aller sauver Mati? Ouais. Il est loin, on peut savoir. J'y vais, j'ai compris. J'y cours. Attends, mais parce que je crois que toi, tu peux prendre le TP, donc tu seras plus proche que moi. Non, j'y vais à pied. Oh, le mec boring. Vous prenez la bête, vous y allez plus vite aussi, si jamais. Ah oui, c'est vrai que tu peux... Ah oui. Ça, faut que j'y pense. Je vais le noter dans mon calepin. Avec un petit calepin, là, pour noter... pour être sur le zombie à prendre. Et Mathias, il est AFK? Je sais pas, non. Bah, il est remort, là. Oh. Il rebug? Ouais, mais moi, je peux pas rester à côté de lui. J'ai un œuf à charger, en fait. Mathias? J'aimerais bien charger mon œuf moi aussi.
Mais je suis sûr qu'en plus, ça, les problèmes de connexion, première tentative, la dernière fois, on l'aurait réussi. Bah oui. C'est ça qui est drôle. Mais... C'est mon neuf, lui. Mais il fait quoi, Matt, là? Je sais pas, il bouge pas, mais il me donne des couteaux en retour, donc ça veut dire qu'il est là, mais il tombe, du coup, je comprends pas. Il doit... Peut-être il rebug ou je sais pas quoi. Ah, c'est bon, il bouge. Ah... Il est vivant. Tu nous as fait peur, mon petit Mathias. Attends, laisse-moi finir mon gobelet. Ton gobelet. Ça fait une heure, j'essaye de le charger, là. Allez, je pars en voyage. C'est bon. Salut. Voyage scolaire, tu vas où? Au ski. Waouh. On est à Fréjus. À la station de Fréjus. Ok, celui du magicien noir, il a pas été fait. Je vais le faire. Vous avez goûté un steak Black Angus déjà dans votre vie ou pas, vous? Non. Mais tu sais que c'est des dénominations pour les steaks en Amérique du Nord. En France, ça veut rien dire. Un bon steak de cheval. Oh là là, petit tonnerre. Petit tonnerre, je peux vous jurer que... petit tonnerre. Oh le bon steak petit tonnerre là. Miam miam. Le vrai steak des Apaches. Si on peut faire... Ah ben non, on pourra pas. Ça va? Non. C'est marrant, mon ombre elle va plus vite que moi. Et ça, je suis en train de tibaguer, je vois mon ombre, mais mon ombre elle est plus rapide que moi. C'est bizarre comme jeu. Qui est mort, Mathéo? C'est Mathias. Je vais sur lui. Je suis à côté. Je vais. Okay. Ah. Ah. Il faisait un rituel, le pauvre. Je crois. Ah, il y avait le zombie ici, dis donc. Salut, mec. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a drogué? Ah, je crois qu'il est encore bugué. Oui. Bugué, je sais pas, je le vois bouger donc. Eh non, mais on va jamais réussir à le faire, tout le temps il bug hein. Je t'ai bugué, je suis juste nul hein. Ah, ok. Je sais pas comme tu dis rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vais être F4 pour de vrai hein. Non, mais juste. T'as une arme, t'as quelque chose? Mais non, mais non. J'ai une pharo quoi. Prends Masto, bouge pas. Je sais pas. Il y a le bouclier aussi. Ça sert à rien, Masto. Si, ça sert le Masto. Ça sert à rien. Tu meurs moins souvent quand t'as Masto, mec. Hein. Je pense que c'est pas vrai. Je suis pas forcément d'accord avec toi, ça sert à rien. Masto. Voilà, Marco, il a été. Ah, mais pour Mathias, ça sert. Non, c'est pas vrai. Ah, si. Quoi? Pour appeler le protecteur civil. Doom doom. Ouais, c'est dans ma rue derrière là. C'est un point kiff. Fais gaffe, Mathias, il y a un gros qui va te poursuivre. Jacadi a dit sauter. Ouais, t'es un bon toi là-bas. T'es un bon toi. Toi là. On saute en même temps. Oui. C'était toi. Ah mais j'ai sauté aussi moi. Pardon. J'ai pas vu, je te crois. Y'a un margois qui va sur les deux sgegs là-bas. Sgeg.
Ah, mais t'as plus protecteur civil. Ah, tu en sortiras. Hein. Ah, ouais, je l'ai vraiment appelé. Oh, mais j'ai pas fait Mathias. Exprès. Est-ce qu'il te protège? Je sais pas, lui, t'as avec Mathias en tout cas. Oui, il suit celui qui l'appelle. Ah, bah c'est Mathias qui l'a appelé alors. Oui. Ok, c'est cool ça. Il y a déjà quelqu'un sur tous les trucs là. Il y a un œuf sur moi, je sais pas c'est à qui. C'est pas à toi par hasard? Bah il y a un deuxième œuf en fait. C'est pas le mien. Ah bah non mais je fais le tour. Je fais le tour pour trouver où il y a personne. Non, c'est... tu vas où? Le bruit du margot, il est terrifiant. Oh, ça va, je trouve. Oh, j'ai les ornis. Mathias, il va lancer le rituel. Non. Sous les zombies. Allez Mathias. Mais non, mais ton protecteur il bute mes zombies. Je suis invincible. C'est vrai bien. Je vais acheter une caisse. Je la ramasse. Ah j'ai tiens, vu, ok j'ai vu que t'avais lâché une autre caisse. Un autre type de caisse. T'as vu Louis là? Regarde les palettes, elles sont bien faites. Parce que sur les vraies palettes, à la fin, t'as deux planches qui se collent. Pousse-toi. Ils ont le sens du détail, hein. Effectivement. Non, Mati! Il tresse pas les protecteurs là? Oh, ouais, désolé, je prends la bombe. Ça te la coupe. Non! Oh! Mais non, tu mais l'as fait mon couteau, toi! Putain, mais. Comment ça, j'ai acheté où mon couteau? Ah, c'est le couteau classique. Oui. Mathias, c'est une kidnappe, j'en peux plus. Tu t'en souviens, Louis, quand t'avais le couteau balistique sur Black Ops, avec le couteau de chasse, ça se combinait, t'avais les deux en même temps. C'était très bien. Ouais. Très bien. Plus l'autre, il crève, là. Oh là là. Putain, c'est un masque. L'autre, il me kidnappe et il crève. Ah bah voilà. Ah mais il m'a kidnappé et... Eh, hey, c'est moi qui ai tout fait. C'est toi qui ai tout fait, mon cul. Et non, mais prenez pas la bombe. Oh là là. Ils finissent jamais ces trucs là. Moi je reprends la bombe vu que c'est le début de la manche. Ouais. Oh, oh non, c'est les spaghettis. Oh là là. Je peux faire ma boîte ou elle est juste là pour la déco? Elle a pas explosé ça, non? J'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire cette musique, mais ça a été toujours ma préférée de Nirvana. Rape me. Arrête de bouger. Je sais pas si c'est un mot qu'on a le droit de dire en sur Twitch. Si, je pense. Bah de toute façon, dans tous les cas, c'est pas toi qui le dis, c'est moi. Alors j'habite ça, Nancy. Ça reste sur mon stream. Le mec il se doxe tout seul après. Non non si si. Junction. T'as le droit, mais t'as pas le droit. Enfin, t'as le droit de le dire, mais t'as pas le droit de le faire.
Logique, logique, ok, ok. Attention. Ah mais il y en a d'autres qui comprennent, ils ont pas compris ça. Comme le dé. Du coup je crois qu'on a plus le droit de dire son nom. Tu sais qu'il est mort ? Ah. Je suis tombé. Comment ça t'es tombé ? T'es dans quelle zone ? Ok. Je suis pas très loin. Bah si t'y vas. J'ai cru pendant un instant que t'avais dit t'es dans quelle zone ? Non mais... Petite pizza là, miam. Oh il pense qu'à la bouffe le mec. Oh ça me donne trop... Ah ça y est j'ai envie de grind 4 zones. J'ai envie de faire une pizza ce soir. Ouais la même, putain je fais chier. Aïe. Voyons ce qui se cache en dessous. Je me suis mis une claque, vraiment ça m'a fait mal. D'ailleurs, il y a sur matin, un œuf de près là. Dans ton cul, la vilaine. J'aimerais bien aller charger mon œuf, ouais. Parc de la Villette. Mon œuf a été fini il y a tellement longtemps. C'est ton œuf, ça, Mati ? Si Mathias m'avait pas kidnappé à deux reprises. C'est bon, j'ai récupéré l'épée Black Angus. Un steak Black Angus. Putain, mais c'est quoi ce stream culinaire ? Avec des frites faites maison là. Et une sauce mayo creepy. Mais si j'achetais une entrecôte pour la bouffer avec de la mayo. Non, une petite sauce au poivre en vrai là, le classique. Sauce au poivre classique. Oh la vache. Oh le stream de dalleux. J'y avais jamais pensé. Ici ça fait de la bonne bouffe hein. Ceux qui vont manger chez McDo là, allez, hey, cassez-vous. C'est bon le McDo. Nous on mange Burger King. Ah oui c'est bon, c'est Burger King, mais il y en a pas près de chez moi. Chez moi j'ai que le McDo qui est pas loin. J'allais te demander t'habites où mais pas peut-être pas en stream, tu as de docks. J'arrive ma biche, mon loubar. Merde, j'ai loupé l'entrée. Non mais, vous me piquez mes zombies, reviens là toi. De quoi? Personne n'est... Charlie! Si, il y avait quelqu'un qui est passé près de moi, j'ai vu un zombie au lieu d'aller vers moi. T'es un peu furieux, j'étais au milieu. Oui bah justement, le zombie est allé vers toi. Vers moi, il est allé vers toi. Écoute, tu sens meilleur que moi, j'y peux rien. Les zombies te préfèrent apparemment. Bonjour monsieur. Oui bah j'ai eu deux accros des atouts d'affilée, je les ai bouffés les deux, donc au bout d'un moment, on peut pas avoir plus de 16 atouts sur ce jeu. Hein. Une boule de gun, c'est tout. L'archoum. J'ai récupéré l'archoum. Archouma. C'est quelqu'un qui a baisé un margois ? Oui, moi j'ai déjà commencé mes trucs. C'est comme ça qu'ils jouissent les margois, dis donc. Comment t'as fait ce bruit là ? Je crois qu'on veut savoir. Ouvrir la bouche maintenant. On dirait qu'on a touché le jackpot. Oh, j'ai enfin fini mon œuf. J'aurais pu finir il y a tellement longtemps si j'avais pas été kidnappé deux fois. Mathias, tu veux que je te laisse le Dolus bonus pour les bonus ou tu veux que je te tente un Man Céleste comme ça tu peux choper des atouts en plus? Attends, faut que j'aille. Quel joueur, faut que j'aille. Je vais commencer mes rituels. Parfait. Tiens, je t'amène des zombies.
tué tout par la clé quand il est allé. Non. Oh. Venez là, j'ai 15 bombes qui spawnent autour de moi. Eh, hey, j'ai pas envie de jouer au Twister là, hein. J'ai pas envie d'éviter de jouer au Twister. Louis. T'as l'air en galère. Trou du cru. Oh, j'ai envie de manger un bon fromage avec un verre de pinot, okay. Putain. Un bon verre de pinot noir là. En vrai, faudrait qu'on voit pour aller chez Pierre cette semaine ou je sais pas quoi, histoire qu'on passe au carrefour. Ah ouais, non mais un bon, on va au Leclerc, on va. Ah oh, ouais, tu brilles. Gratuit. Pourquoi? Parce que la carte de ma maman, faut dépenser un petit peu dessus. Ah oh, ouais. La carte de fidélité. Qui a besoin de zombies un peu là pour ses œufs et tout, qui n'a pas fini? Bravo. Mathias? Non. Oh, j'ai vu t'allais me le voler, je sais pas si tu pouvais. T'as essayé de me le voler, Mathias? T'en veux? Non, je... Bon, ça va aller, oui, j'ai essayé de te voler, mais j'en veux pas de pistolet. Okay. Putain, là, il était sûr qu'il avait essayé, le bâtard. Je savais pas que ça pouvait être plus seul. Je te donnerai bien un dernier avertissement, mais je préfère t'abattre. Il manque l'œuf de qui à faire? Matt. Moi je fais mon rituel pour cette manche, donc je l'attends la prochaine. Parfait. J'ai entendu spammer pour le faire avant moi, hein. J'ai même pas essayé, hein. Le duel de regard qu'on se lance à travers la map. Si ça peut te rassurer, y'en a déjà un qui est mort. Non mais j'ai même pas si je fais ce vu que t'es là, j'ai entendu spammer, j'ai arrêté de me regarder, j'ai fait bon. Type, quoi. D'ailleurs si vous voulez, y'a une stratégie pour les one shot. Comment? Au moment où leurs têtes apparaissent, c'est bon tu peux aller. Au moment où leurs têtes apparaissent, si t'as un pompe ou des trucs comme ça, tu peux les OS avec des trucs du genre câble et tout. Ah bah tu sais quoi, j'ai eu deux têtes, un mitrailleur et un pistolet laser. Bah si vous êtes tu à pas passer la manche, moi ça m'irait parce que si vous êtes tu à pas passer la manche, ça me va. Tu fais tes rituels ou pas? Moi? Oui, ouais, oui. Okay. Il m'en manque un là. Attends, je finis mon margo. Voilà, c'est bon. Je vais améliorer avec câble HS, comme ça j'ai le shot parce que j'ai le cirage de pompe numéro 99 comme arme. Cirage de pompe? Ah, j'ai menti, c'est le numéro 100. Je vais améliorer mes armes aussi, moi. Farkle! Farkle time! C'est moi qui peux faire. Il y a une bombe dans les escaliers qui mène au sous-sol. Ça va. Mais je suis à la salle pour améliorer, je peux pas être au sous-sol. C'est sûr, c'est pas ta partie la plus amusante. On va faire le secret, donc ça va le faire. Ça va le faire, le secret. On y croit. Courage, mon petit pote. Je t'ai fait un bisou quand t'es passé. Un bisou de force. Bah dis donc. Ah, je suis pas loin, j'arrive dès que je mire mon pistolet laser. Bah il est vivant. Ah il est vivant quoi. Ah il doit avoir le protecteur. Ouais il a le protecteur. Il me vole mes kills d'ailleurs là. J'ai déjà fait. Ok je vais à la box. Ring the box. Vous en êtes où pour vos rituels vous? Bah il m'en reste qu'un. Il m'en reste deux, je crois. Vous êtes le melon du type. Je pense que Benno il va. Tu penses que Benno il va me baiser sur le site quand il va le revendre 7000 balles ou pas? Oui, il te donnera rien. Non mais. Gros, il non, mais est traumatisé par la thune. Mathias, il veut pourrir la vie pendant cette game, c'est incroyable! Il vient essayer de me buter, je reviens pas!
Et pas ailleurs, il y a à peine une minute. C'est une tentative de meurtre, ça, mec. Ils sont trop matrixés par la thune, alors que d'ici 5 ans, on sera plus riche qu'eux. Surtout d'ici 10 ans, on sera tous morts. Ouais, et d'ici 20 ans, la Terre aura explosé. Ce dont j'avais besoin. Il y aura plus. Parce que je l'aurais fait péter. Je me permets. C'est bon, vos rituels sont bons? Ouais. Moi, c'est bon. Matt, t'avais récupéré l'épée ou pas? Non, non. Non? Regardez, dans le ciel, il y a le truc là. Oui, c'est moche. C'est une fois qu'on a fait le Pokéball qu'il apparaît. C'est beau bord. Je l'ai vraiment OS, incroyable. Oh non, mais c'est qu'est-ce que tu fort, fais là, toi? Je t'aide. Je t'aide, Talk. J'ai besoin d'aide, moi. Il spawn où exactement? Je sais pas, autour. Ah merde, pardon pour la pompe. Bah, de toute façon, tout le monde a fini les œufs, donc c'est bon. Faut juste pas passer la manche pour faire les. T'as fini les œufs, là? Faire les rituels. Non, non. Ah ouais, c'est bien ce qui me semble. Donc t'as pas encore attendu. Je croyais que t'avais ton épée, Mathias, non? Ouais, les margois ils sont complètement fous. Ils vont sur mes bobies. Ah, désolé. Peut-être quoi. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Les margois en vrai ils sont mignons. J'ai envie d'avoir un petit pote margois. Il y a une bonne définition de mignon, je trouve. Cute. Du coup, faudra pas passer la manche comme ça, Matt, tu peux commencer à faire ça. Thanks, sweetie. Je sais pas si vous avez vu, mais en l'air, mais la bête là. T'as déjà dit. Ah oui. Faire d'où tu viens. Munition au max. Munition au max. Eh ben merci, je commençais à être juste. Double sur le premier venu. Sans envie de mon côté vu qu'on a dit de pas finir la manche. Oh le suceur rituel quoi. Je rigole. La toxicité de ce vocal Discord. Vas-y, j'aimerais pas voir un laser. Ça va aller bien le coup de laisser un zombie, tiens. C'est pas moi. Je vous jure par contre que c'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. C'est toi ? Une riche, un postiche. J'aime trop cette manche, elle a vraiment un trop bon mood. Faux. Oh, ouais. Il y a un margois qui est venu sur moi, tiens. Il y a un margois qui est venu sur moi, mais il a dit que j'avais pas de la viande de bon goût, je me casse. Ah vas-y, je vais bien un laser, pitié. Gaben. Ah non, c'est pas le bon jeu. Oh nice. Hop là, il manque plus qu'une pièce si vous voulez avoir l'un de la map. Bah moi je vais me contenter de la pharo.
Making the secret of Shadow of Evil with only Pharaoh. Je vais aller récupérer mon épée améliorée. Ah, bébé qui rigole. C'est moi. Toujours je fais rire les bébés. J'essaye de venir, Matt. J'essaie de venir aussi, je suis pas très loin, j'ai l'impression. Ah, j'ai enculé. Ah, j'ai one shot à ma croix. Louis, t'avais raison. Quoi? Personne n'a écouté, personne l'a écouté. Moi, je t'ai dit aussi, je l'ai dit il y a longtemps. Oui, mens. Oh merde. Tu seras jamais plus rapide que la galipette. Voilà, eh, le mot. Pas censé être, c'est nickel. Le mot est gris, attention, tu rajoutes une lettre. Quoi? Automédication. C'est nul ça. Alors attends, elle est où la boîte? La boule, elle fait des mouvements bizarres des fois. Hein. Tectonix. Boule bolo. Vous trop... avez, hormis Matt, vous avez tous votre épée? Bah moi, faut juste que j'aille la chercher, mais j'ai fini mes rituels. Bon, je viens d'avoir l'épée améliorée là. Ok. Bah dès que vous êtes là, vous me dites. Moi, je vais toucher un bouquin. Pour la première fois de ma vie. Se plonger dans un bon bouquin. Quoi de mieux? Bah voilà. Il suffisait de demander. Non mais oh, on est où là? Salut les mecs, ça va? C'est Kilak. Vous, votre temps préféré, c'est quoi quand vous êtes genre chez vous en chill? Moi, c'est mon temps préféré. Un petit peu. Moi, perso, j'adore quand il fait super beau, comme ça, il y a des reflets sur l'écran, je vois plus rien. Oh, j'avoue, meilleur mood. Geek mood. La manche, elle se finit, un de ces quatre, ou... I love Kev Adams. Oh non, mais pas ça. Qui c'est qui a la dernière boule de graisse, là? Ah. Je vous mangez quoi, vous, ce soir? Je ferais une petite pizza, moi, si j'ai le temps. Saucisse. Soit pizza, soit hot dog, de mon côté. Oh, j'ai jamais goûté de vraie mitraillette, j'ai envie d'en manger une, là. Ou juste, bah, en fait, t'enlèves le pain et les frites. Métal. Une bonne grosse queue. Qu'est-ce qu'il raconte, bordel? Tu sais que je commence à vraiment prendre confiance et à parler comme ça à Dominique, du coup celui qui fait que des blagues de cul et tout au taf, ça va mal se faire ça. Parce que si je suis vraiment moi naturellement 100% au taf, je tiens pas un mois. C'est pas forcément... C'est pas quelque chose dont tu devrais te demander, je pense. Je vais rester avec Matt pour l'aider parce qu'à chaque fois que tu fail un truc comme ça, t'es obligé de le recommencer à manche de... À moi. Ah, tu peux le relancer direct? Oui, bah oui. Ouais, nickel. Bon bah attends, hop, je t'aide un peu. On va aller foudroyer. Y'a du monde ici. Tiens, prends le dos, je les zigouille. Je les sens qui. Prends notre bac, je m'occupe d'eux. Faut que j'aille refaire de toute façon. Quoi? J'ai réallumé. Oui. Mais occupe-toi juste de notre plan de route. Ok, bien. Vous me dites quand vous voulez que je baise les zombies pour essayer de passer la manche. Bah, que là, je pense que j'ai tous les zombies de la map. Tu peux, hein, parce que de toute manière, il en restera après. Hein. Mais gars, mais ça, c'est trop près. Hein. Si tu prends un coup sans masto, tu le fais facilement avec un dragon.
Mon perso qui a dit je suis le plus grand chômeur. Non mais MDR. Non, c'est moi. Enfin, moi, tu sais que j'ai pris la décision de travailler et tout alors que j'avais du chômage jusque février 2025. Tu te rends compte? Waouh. T'es courageux, mec. Hein. Mais en fait, c'est pas mal. Moi, je cherche un emploi, ils veulent pas de moi donc. T'es sur Nancy? Non. Non, je cherche au Luxembourg, moi. Waouh. Ah, écoute, moi, je vais être riche. L'argent, il s'en reste combien des rituels? Deux. Un, deux, ferme tes yeux. Trois, quatre, mange tes tomates. C'était Matt avec moi, mais merde. T'as entendu Meshuga. Ah, la boîte. Ah, parce qu'il y a. Ah, tiens, la boîte spawn à côté de moi. Musique funky. Musique funk, on peut baiser les margois de Mathias, on est d'accord? Oui. Ok. Bah pourquoi t'as envie de baiser ces trucs là, ils sont pas très attirants je trouve, mais C'est pour ça que je reste à côté du chacun ses goûts, chacun ses goûts. Trop cute. Ah putain, mais du coup, Matt, tu t'es barré trop loin. Il fait quoi? Attends, va pas là si t'as pas masto. Ok, c'est bon. Il y a des petits câbles qui font mal, trop mal. Ouais, les câbles avec lesquels il a essayé de me tuer tout à l'heure. C'est faux. C'est faux, mon cul. Oula. T'entends juste ce que toi perso il a dit, Louis? Non. Tu regrettes de m'avoir touché. J'ai pas de protecteur civil avec moi. Ah non, il est pas avec moi. Qui c'est qui m'envoie des grenades là? Non. Mais hé. Mais calmez-vous, monsieur. Coup et blessure sur un représentant des forces de l'ordre. Ah, c'est une zone de guerre là aussi. C'est un peu l'apocalypse en fait. Ouais, un peu, mais c'est trop bizarre quoi. Le et ciel. Des zombies, le ciel il est bizarre. Je pensais qu'un jour il y aura ça dans le ciel. Les en vrai, je pense. Hein. Ne me touche pas, ordure. J'ai vu regarder le ciel et un zombie de devenir très grave. Et toi qui regardais le ciel là, mode dieu. Ça me dégoûte, j'aime pas. C'est les trucs géants, ça me. Ça me fait quelque chose. Comment ça te fait quelque chose? C'est pour ça que tu trouves les margois mignons. Non, vraiment gigantesque. J'ai un peu la phobie du truc géant là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont inventé un mot pour ça, mais je l'ai pas appris. Mégalophobia. Oui, bah voilà, invente. C'est pas la phobie, c'est pas la phobie de Mégalovania ça. Ice cream-ophobe. J'ai envie de manger un chingu là. Allez, chingu. Faudra qu'on y aille parce que ça me tente vraiment. J'ai envie de tester. T'inquiète. Oui, bah la dernière fois qu'on m'a dit t'inquiète, le mec il m'a fait un cocktail et c'était pas le bon cocktail. Hein. Il m'a fait une margaritaine, un mélange entre la margarita et le cosmopolitaine. Donc, pas de t'inquiète. Vas-y, oh, Matt. Bah. En fait, il a le laser, il le prend pas. Youpi. Non, Matt. Oh, ça me fait malade. Quoi? Il en faut plus que ça pour m'éliminer.
Et t'as tué tous les gens du coup. Super. Je sais pas comment il a encore envie Mathias, hein, j'ai pas compris. Mais ça veut dire que sur BO4 faudra que je refasse tous mes trucs, remonter des niveaux et tout. Oh non. Comment ça? Parce que sur mon ancien compte je m'étais fait ban. Ah bon? Comment tu te fais ban de Black Ops? Non pas Black Ops, ça m'avait cassé les couilles. Sur MW, je sais plus c'était quoi, j'avais triché. Ok. Du coup Matt il va chercher son épée, Marco t'as récupéré la tienne? Ouais. Ok nickel. On peut améliorer les bobies ou pas? Seulement si tu les chopes dans la boîte et que le bonbon qui améliore en sortant de la boîte. Ah, les bobies, les trucs, les bocaux là? Ouais. Les brocolis qui sortent de la boîte. Tu peux les améliorer si tu les balances devant trois trucs spécifiques et que tu butes un zombie avec. Bravo. Comment ça? Je sais pas, j'ai vu ça dans le guide. Il y a un guide et tu peux les améliorer si. Je reviens à Agra. Il y a trois, en gros, il y a trois stands, je crois. Il faut les balancer juste devant. Il faut que ça tue un zombie avec devant les trois. C'est bon, Matt, t'as ton épée bientôt. Genre l'un après l'autre et tu dans n'importe quel ordre. Bah, tout le monde a vraiment récupéré son épée. Ouais. Et une fois que t'as fait les trois, t'as le truc il a amélioré à ce qui paraît. Non, il y a quelqu'un qui ment là. Non, il y a les quatre qui sont partis, BG. Elles sont plus là. Ah, non, mais après, il faut l'améliorer, faut que t'ailles retourner où t'avais ton. Il y avait le fantôme là. Ah merde. Ah merde. Ouais, donc il y en a bien un qui ment. Quoi? Tu voulais que je... C'est toi? Ah non, c'est toi. C'est bon, j'y vais. Je suis désolé, les mecs, je me suis un peu éparpillé. Oh, c'est pas grave. Ça fait les rituels de toute façon. J'aimerais bien juste que ma co elle bug, comme ça je gagne la prédit sur le live. Non, je rigole, le mec horrible. Ok, c'est bon. Le mec il va alt-f-alt pour faire genre. Voilà, parfait. Maintenant on peut commencer les drapeaux. Let's Tout go. Tout le monde dans le sous-sol, les mecs. Tout le monde dans le sous-sol. C'est bizarre de comme ça. Everyone dans le sous-sol. Je suis là. Il va arriver. Ah, oh, j'ai envie d'une glace. Hop, tout le monde me suit. Oh, un magnum chocolat blanc, le classique. Qu'est-ce qui est passé? Il est là. Je m'occupe de ce point là. Oui, parfait, je vais venir un peu là. Oh, c'est... Je m'occupe de ce coin là, là, je prends les deux entrées. Faut moi je suis un garde l'homme de l'ombre. Merde. Moi je suis un électron libre. Il y en a plusieurs qui sont passés là. Ouais, mais ça vient pas de moi. Moi non plus, parce que je suis un électron libre. Ça peut venir de toi du coup. J'ai eu l'homme de l'ombre. Ah, mais l'électron libre du coup il get un truc après il s'en va. Hein. C'est prêt pour. Non, je pêche les zones. J'ai pris le drapeau. Ah, bah faut aller là-bas. Ouais, il faut aller là, je sais. Je l'ai posé. Homme de l'ombre, je l'ai tué. Je gère les escaliers, moi. Je gère de là où on vient. Enfin, si tant est que. Ouais, faites gaffe, plein de mosquitos. On est pas tous là, non? Si, tout le monde est là. Je suis dans les escaliers, moi, je gère depuis les escaliers. Sur le pont, Mathias, ça arrive pour toi. De toute façon, là c'est bon, c'est fini okay. En soi. Juste l'amener là où il faut et puis on est bon. C'est bon. Du coup. Et de 1. Hop. On retourne là-bas. Là, il y a un margot qui spawn. Thank you.
Hop. Tu me follow? Merci. Homme de l'ombre. Je vais gérer la petite ruelle, moi. J'ai l'escalier. J'ai vu les gros panards de l'homme de l'ombre. Et alors ici après c'est dans la petite ruelle. Mais il y a un piège qu'on peut utiliser pour pas avoir à gérer un côté. Le piège il est assez pratique. C'est bon hein, ça bouge hein les mecs. Quand il y a un gros ding c'est que c'est bon. Si quelqu'un veut activer le piège mais bon il met pas tout le monde encore. Oh, tu peux passer quand t'as Masto je crois. Ouais, c'est vachement pratique. Qu'est-ce que tu gueules Bibi? C'est bon. Ce dont j'avais besoin. Aïe aïe aïe. Ouh. Ça swing. C'est rock. Ça swing. Pourquoi elle gueule Bibi? Bien lui je sais pas si tu sais mais pour le magicien c'est plus pratique de passer par l'escalier. Ou par les portails si tu penses. De sortir du sous-sol par l'escalier plutôt que par le portail. Ah oui. Il y a un endroit juste en haut des escaliers à mettre. Tu les crames là tes saucisses là. Une phrase qu'on entend pas tous les jours. Ouais genre de quelle saucisse il parle hein. Assez délicat. Mon père il fait des saucisses mais il est en train de crames. Y a Margot, là. Oh j'ai trop envie de faire un barbecue. Pourquoi je monte l'escalier il y a un Margot en face à moi là. Ah moi aussi j'avoue là. Lui. Oh putain un barbecue là. Barbecue là. Oh un barbecue, tu te rends compte? Allez, barbecue chez Matt. Oh non. Oh j'ai failli crever. Ah ouais un barbecue. D'ailleurs t'es là pour le. T'es là ça du coup pour le barbecue ou pas? Bah je suis toujours au chômage donc théoriquement oui, après je sais pas si. Ça dépend de si je trouve un boulot ou pas. La deuxième semaine ce sera sûrement le vendredi 18. Vendredi au soir je serai sans doute dispo. Ouais, après si j'ai un boulot Mais bon là franchement avoir un boulot ça a l'air d'être Tu cherches dans quoi? Dans le développement. Web? Ouais. Moi aussi. On est trop potes. Énorme. Et là au Luxembourg, tout ce qu'ils demandent, la plupart des annonces, c'est vraiment ils demandent des seniors quoi. Moi, oui, bah non, mais même partout, hein. Vraiment partout. Hein. Ouais. Du coup, maintenant je dis que j'ai 3 ans d'expérience. Et en plus, les seniors juniors, c'est vraiment pas avec l'expérience. Donc. De toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, la plupart des gens ils travaillent en fait. La plupart, c'est bien de préciser la plupart. Mais là j'ai peut-être un plan là pour faire toute une chaîne de restaurants et tout là. Ça peut être pas mal. Mais du coup je serai en auto-entrepreneur. Elle est longue cette manche là. Du coup t'es plus front-end ou back-end? Oh, moi je fais les deux, hein. je suis full stack. J'ai un diplôme d'ingénieur. Oh la classe! T'as vu ça? Moi je préfère le prompt. Bah, le fond je m'en sors, mais disons que niveau design, je suis pas le meilleur quoi. Putain, on pourrait se compléter. Putain, on a un zombie par un zombie. Moi c'est le bac, je m'en sors pas. Ah, vous c'est un zombie par un zombie, moi j'en ai des dizaines moi! Nous c'est un peu boring hein, pas vrai les gars? Sautez si vous êtes d'accord. Allez venons jouer à Jacket. Vas-y c'est quoi Jacket? On fait le drapeau. Et après on joue à Jacket. Je peux prendre le drapeau, je suis là. Ah y'a juste pas le drapeau, c'est pour ça. Pourquoi vous lancez tout? Vous savez que vous avez besoin des munitions aussi hein? Ah. Allez, non.
Aïe, j'ai l'impression qu'il m'a mis un coup que ton papa quand il a tapé la queue sur la casserole. Qu'est-ce qu'il a ? Tu as tapé sa queue sur la casserole ? Des pratiques bizarres chez vous. Il est où le Shadow... Ah, elle est là. Shadow Monster Man. Attendez, le Shadow Man, il est quelque part. Je l'ai tué. Ah, désolé, my bad. Voilà, je vais crever. Oh, je vais crever comme merde. Non, c'est bon, je suis bien. Choqué, tu vends. Super. C'était pas là, non? C'était pas là, non, c'est non. Faut s'enfoncer plus ou moins. Oh, y'a un ptérodactyle. Je gère que t'es métro là. Ah, visiblement non. On est à Pigalle ou quoi? Oh, comment c'est ça, on est à Pigalle? Parce qu'il y a un... Il y a un bar là. Cabaret. Je suis allé au Moulin Rouge une semaine avant que les ailes du Moulin Rouge tombent. Des questions? Oh, ça c'est la classe. Ça c'est lié, je pense, hein. Ouais. Oh putain, mais c'est quoi la coïncidence? Je ne pense pas. Et du coup, après, il reste encore un drapeau à faire. Ouais, ouais, le dernier, et ensuite on pourra faire le boss, et ensuite on pourra. Comment? Oh, le boss il peut aller vite si on est faire des tapes ou. Ah oh, oui, non, mais le boss va durer 2 secondes. Mais le plus chiant après, ce sera faudra que tout le monde aille se mettre à un endroit. Ah, il faut se coordonner pour la dernière étape, c'est un peu relou, ouais. Et ensuite ce sera complètement fini. Genre là, on a fait vraiment le... Tu veux pas nous rejoindre, BG? Comme ça, ça, tous les zombies viennent sur nous directement, ça ira plus vite, je pense. Ah, quoi que non, c'est la manche spéciale. Ouais, non, là, ça va aller vite. Y'a un marque boss sur moi, si jamais... vous intéressez, je sais pas. Allez, viens là, regarde, regarde. Le robot, je suis Troy McClure, vous m'avez sûrement vu dans des films comme Rambo. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut voir la réforme là. Plus tu parles, moins je te comprends. Moi aussi, t'inquiète pas. Toi, parce que Louis, toi, t'es où? T'as le... Non, t'as pas le drapeau. Non, y'a pas de drapeau. Non, c'est manche d'après. Ah, le ciel est rouge. Ah, y'a une bête dans le ciel. Oh, regarde. Dans le ciel, y'a une bête. Je sais pas, je regarde, y'a un dauphin. Oh. C'est bizarre, le dauphin, ah, mec. Là. Du ciel, l'océan. Ça fait moins peur. Oh, j'ai level up, OMG. Oh, j'ai Hello Fresh, let's go, hein. Level up, c'est... C'est quoi level up déjà? Si, c'est une marque de boisson, non? Alors, pensez, Oli, c'est bon. Je vous invite à venir au milieu. Ouais. Je quitte la ruelle. Ok, parfait. Personne à la ruelle, je m'ennuie. Putain. Mais à l'aide, les trucs qui passent à travers mes balles. Je l'ai pris? Ah oui. Ah, tu l'as pris, tu l'as pris. Devant là-bas, je prends pas devant là-bas. Je prends de là où on vient. Enfin, je regarde de là où on vient en tout cas. Je prends le spawn. Je prends le spawn. Y'a le truc. Il s'est fait des pop. Il a fait coucou. Il est venu, il a fait au revoir.
coup. Je suis toujours debout. C'est bon? Allez. Bien, ouais. Je... Let's go. Vous pensez on va réussir ou je vais encore peu? Bien tenté. J'ai vu un margot se prendre dans un mur. C'est spécial. Il y a un margot derrière toi. Hein. Derrière moi? Ah ouais, il y a deux même. Comme derrière Marco. Non, Marco, s'il te plaît. Non, j'arrête, c'est bon. Du coup, bah maintenant, on peut aller dans le sous-sol. Tout le monde dans le sous-sol, les mecs. Ma margoire, hein. Vas-y, Mathias, viens. Vas-y, go, go, go. Je laisse jamais un pote derrière. J'ai toujours un margot sur moi, attendez. C'est bon. Qui veut voir comment on fait respecter la loi? T'y as pas, même pas cru, t'as même pas eu un soupçon de... Faut que tout le monde active un veilleur là. J'arrive. Moi je fais le veilleur à côté de toi. Celui-là il est déjà fait, Matt, faut que tu passes de l'autre côté. Lequel qui est pas fait? De devant au milieu. Ah, j'en ai activé un là, je crois. Ok, parfait. Du coup, maintenant. On va activer les 4 veilleurs. Va falloir tirer sur le mec. Moi, je reste à l'hôtel. Ouais, il faut activer les 4 veilleurs avant de pouvoir les tirer dessus. Non, mais c'est fait là. Non, c'est maintenant qu'il faut les tirer. Ok, ouais. Il est où? Putain, on est pas assez vite. Faut lui tirer dessus là ou pas? Faut refaire les veilleurs. Ok, vas-y, bah j'active. Faut refaire les veilleurs? Ouais. Si t'échoues, faut les relancer. Ouais, trop de zombies. Là, c'est bon, ça va relancer. Hein. Les zombies, vous pouvez me lâcher? Bon. Ok, c'est bon. Ok, et maintenant va falloir faire le truc des stations là. Tu vas exercer ton droit à garder le silence maintenant. Des stations, ouais, c'est assez. Ah, puis y a pas. Ouais, là y'a du gaz là où on va tous se prendre des dégâts en mode MDR. Ouais. Y'a des boules blanches qui traînent et si tu veux pas mourir, faut aller dans les boules blanches. En même temps, t'as du gaz qui spawn. Hein. Ouais, les trucs. Et il faut aller où du coup? C'est chacun une station, c'est ça? Ouais, donc, on est un dans un train et les autres dans une station, il faut qu'on soit en bargois. Moi je me mets dans le train si vous voulez, comme c'est le plus dur. Alors dès que tout le monde sera sur une station, donc Matt va là-bas. Il y a un bargois qui va sur un coup. Il faut être un bargois à chaque fois. Faut être transformé en bête, mais du coup. Ah oui, alors là, attendez, parce que là moi j'ai 3 bargois sur ma gueule. J'arrive, Mathias. Ah, y'a le gaz de j'ai retour. J'ai 4 margois sur la gueule. Ok, j'arrive. C'est bon, je m'enfuis. Un qui est mort. Pourquoi y a la station où je suis, y'a personne? Parce que je voulais aller aider Mathias, mais je reviens. T'es au canal? Surtout qu'il y a le gaz. Moi, aussi. Moi je suis box. Donc... Il faut être en. Faut être en le margot, on l'est indéfiniment maintenant ou faut que je le prenne à la fin? Bah, tout le monde va le prendre en même temps. Moi, bien sûr, moi je dois rester dans le truc. Okay, attends, il y a deux margots en dessous. Je dois pas être en bête quand je vais dans le truc. Oui, tu dois être en humain dans le machin. Ah, le retour bon, du gaz encore. Ça irait plus vite si tout le monde allait se mettre à un endroit là. Ouais, moi je suis box et je suis prêt à devenir une bête. Ah, il faut tirer sur un générateur aussi quand on est en margois sur le truc. Quoi? Mais je sais pas. Oh, ah ouais, bah je suis mort. Attendez, vas-y go. Je... Oh mais on va rater le secret quoi. Tu vas sur qui? Ok, je suis sur Mathias. Quand on est en margois. Oh merde.
Ah mais du coup j'ai plus la malédiction comme je t'ai réanimé avec. What? Ouais, bon. Tant pis. Je suis mort de quoi? T'es en train un autre jour. Je suis mort de quoi là? Du gaz. Mais je viens de sortir de la bête, j'avais pas le gaz, j'avais pas l'écran rose. Oh mais c'est tout, c'est doux. Hein. Allez, allez, attends, Mathias, c'est après vous. Une boule blanche. Oui, bah y'a 4 margois, on est où là? Bon. Oh l'enfer. Bon. Bah oui, puis non, puis oui, c'est vrai que cette manche, les margois ils spawnent indéfiniment en fait. Oui, mais moi si je peux en tuer un en fait, je peux. Sauf que là, y'a pas de margois qui viennent. Ils sont où les cons? Du coup, c'est normal. Non, mais je veux dire, c'est normal qu'il y ait plein de margois, c'est parce qu'ils spawnent à l'infini là. Oui, non, mais moi j'en ai. En fait, y'en a pas sur moi là, il faut que je monte en haut, je crois qu'ils sont en haut. Oui, bah laisse tomber. Oui, bah laisse tomber. Bon. Vu que le jeu c'est un bon jeu. Et pourquoi bah TF4 hein? Voilà. Pourquoi t'as quitté? Bah j'ai le TF4. Oh mais non, mais du coup on a tous perdu nos bonbons. Non. Comment ça vous avez tous perdu vos bonbons? Bah parce que ça a auto-perdu la partie, j'ai pas eu le temps d'aller TF4 moi. Ah oh, putain, je suis trop con. Mais non Mathias, il a quitté. T'étais encore en jeu? Ouais, j'étais encore en jeu. Tout le monde était encore en jeu, il fallait. Ah oui, TF4. Putain. Oh, je suis désolé. Pardon. C'est ma faute. Tout le temps ma faute, de toute façon. Bon. On retourne demain. Ouais. C'est pas loin, hein. Mais le truc, c'est qu'il faut mieux ce que. Faut revoir. Parce que si la dernière étape, moi je sais qu'il faut tirer sur un générateur qu'on est en bête, mais je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas il est où. Il est dans les gares. Il y en a un dans chaque gare. En général, il est au plafond. Au plafond, ok. Faut juste que tout le monde speedrun dans une gare. Parce que le gaz il se met directement. Mais j'ai l'impression aussi qu'en Margot on l'a indéfiniment aussi. Enfin, la bête. Parce que moi quand je suis mis réanimé, la barre elle descendait pas. Bon bah on va. Donc je crois qu'une fois qu'on est à cette étape, on peut se transformer en bête et puis juste celui qui doit rester en joueur il reste en joueur et puis. J'ai la chef. Ouais. Moi la barre elle descendait pas et en fait je suis sorti de la bête quand j'étais réanimé donc j'ai l'impression qu'en fait t'es. On peut devenir bête à l'infini, à part, sauf si tu réanimes quelqu'un, quoi. Ouais. Bon, moi aussi, je vous laisse. Des bisous. À demain. Attendez, je coupe la VOD pour YouTube. Dites au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube. Au revoir, Jacotte. Bisous.